Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur Paul World. Alors je suis enfin de retour de vacances pour pouvoir jouer à ce jeu magnifique qui fait fureur sur internet. Le truc, c'est que je voulais jouer à ce jeu depuis sa sortie, mais j'étais occupé pendant mes vacances, oui. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde, les amis. Yeah! Alors là, il y avait beaucoup de paramètres de customisation, mais j'ai mis le tout à normal et j'ai rien modifié. Mes Pokémon, ils sont partis en vacances, voyons donc. Hey, mon bonhomme, il est nice. J'ai bien customisé, les amis, oui. The towers are the key. The tree holds the truth. GG, mon iPad est dead. Ouais, j'ai déjà hâte de voir ce qu'on doit faire dans ce jeu. Alors, mon bonhomme, n'est-ce pas magnifique? Et puis, si vous écoutez sa voix là, colline venteuse. Eh ben, je vais vous dire, c'est super magnifique. Alors, on est juste dans le tutoriel en ce moment. Je pense que c'est... Il y a quelqu'un, un Pokémon devant moi! Un dinosaure niveau 17. Il n'est pas un petit peu trop puissant ce mec-là? Si vous regardez en haut à droite, vous pouvez voir le tutoriel. Et puis à un moment donné, on m'a dit de regarder le guide de survie qui est là. Je tiens à vous dire que j'ai regardé le 1/3 de ceci parce que là, c'est beaucoup trop long. Je crois que je préfère découvrir le jeu par moi-même. Et on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, ce qui paraît, je peux capturer ces bonhommes avec des boules que je ne possède pas malheureusement. Ok, il faut que j'en construise. Et je crois qu'il faut faire ça. Ensuite, établi de construction. Ma matériel est suffisant. Ah, il me faut un bois de charpente. Il m'en faut deux, ok? Bon, bah, on va aller chercher ça, là. C'est vrai, dans le guide de survie, on m'a dit, va chercher des pierres, va chercher du bois. C'est là que tu as commencé, mon frère. Et là, survivant de l'expédition. Pas parler. What's up? Wow! Please, don't kill me. And I shot gun, bro. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un qui ne sent pas le pâle. Cette île est un enfer. Mes compagnons ne sont plus parmi nous. Holy, what the hell? Leur vie leur a été arrachée par des pâles assoiffés de sang. Ne les sous-estime jamais. Je peux te filer quelques ressources de base, mais tu vas devoir te renforcer si tu comptes survivre ici. Ah, ok, c'est totalement différent du monde de Pokémon. Et puis j'ai pogné 10 mois de charpente. Oh, right! Yo, les petites créatures qu'ils ont là, ils sont crazy ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je fais en sorte qu'il y ait un établi ici, qu'est-ce qui se passe? Attendez, attends, reste 5 charges de travail, pas de main-d'œuvre. Maintenir, construire. Ah, ok, moi je croyais que je l'avais déjà construit. My bad. Yeah, level up. Donc je suis niveau 2, pas de tel objet actuel, 6. Ok, j'ai pas lu ce qu'il y a avec ça. Je l'ai vu dans le guide de survie électrique de points technologiques, mais bon. Batte en bois. Une batte en bois adaptée au combat de proximité, pas très rassurant face aux pâles. Bon, c'est ce truc que je peux construire, alors pourquoi pas. Alors, travaillez! Ah, ça prend plus de temps que prévu. Alors là, ce jeu est plus un jeu de survie qu'un jeu où tu captures des pâles. Ah, j'allais dire des Pokémon, là, il faut que je m'adapte, voyons donc. Alors, obtenir. Alors là, je peux me défendre avec ça. Nice. Reviens ici, quand tu vas, je vais te détruire! Oh! Oh, je me sens... Yo, je me sens un petit peu mal pour être honnête avec vous. Mais bon, en tout cas, j'ai pas de statuts disponibles que je peux dépenser ici. Je pense j'en ai 6. Alors, si je fais... Attends, ça. Débloquer technologie, boîte à pales. C'est là où ce que je peux stocker mes Pokémon. Technologie sphère de pales. Ah ben voilà! C'est ce que j'ai besoin, mais il me faut des éclats de paldium et de la pierre. Ok, de la pierre, je sais où aller pogner ça, mais éclats de paldium, I don't know, bro. Ok, je vais juste dépenser tous mes points ici puisque c'est ce que je peux faire. Attends, je peux pas. Ah, il en faut 2 points! Et je n'en ai qu'un! Bon, ben, je crois que j'ai pris les traits les plus importants, alors. Éclat de paldium! Où est-ce que je peux te trouver? Yo, moi, je vais pas mesurer à toi. Non, oublie ça, man. Baie rouge! Et là, sphère de pal... Il y avait une sphère ici! Ok, j'aurais dû pogner ça depuis le début. Donc, pierre... Ouais, attendez, je peux puncher ça, mais je veux pas utiliser mon bâton. Comment j'enlève mon bâton? Il y a sûrement un moyen... Ma bouboule! J'ai une tonne d'éclats de paludium. Je pourrais faire de quoi d'intéressant dans quelques instants. Mais avant tout, laissez-moi aller ici. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ramasser. Tu as obtenu les mémoires d'un autre aventurier. Découvre son périple depuis l'écran des options. L'écran des options? je sais pas de quoi tu parles, bro. Est-ce que c'est dans inventaire? Paldex? Oh wow, vous pouvez être sûr que je vais vous capturer. Il y a combien de pales en ce moment? 111 à peu près. Hey, j'espère qu'il y en a qui sont légendaires. C'est vrai, j'ai 7 points technologiques. Alors là, je peux me construire un vieil arc. Ok. Flèche, j'en aurais sûrement besoin. Lui de fortune. On m'a dit de construire ceci avant que la nuit tombe.
Un lit pour pal. Ah, oubliez ça. Kit de réparation. Un outil pour réparer des structures. Ben, ça pourrait m'aider sûrement. Tissu, ça pourrait m'aider sûrement. Et structure en bois. Voilà. Le lit pour les pales. Ce sera pour le futur, ça. Hé, hey, attendez une seconde. C'est écrit que tu portes trop d'objets. Porter un poids trop élevé t'empêchera de bouger. Dépense des points de statut pour augmenter ton poids max. Hein? Ok, les points de statut, c'est pas ces affaires-là. Ok, ce sont des points technologiques que j'ai dépensés alors. C'est où que je... Ah, renforcement de statut. Ok. Donc, vitesse de travail. Oh, wow, poids actuel. Je crois que je vais prendre un peu plus de poids. J'en aurai sûrement besoin dans le futur. Je vais faire... ça comme ça. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais moi je ne dis pas non à ça. Alors là, je peux apporter 400. Et là, c'est quoi le timer qui est là? Ces trucs-là, ça peut expirer? Hé, hey, what the hell? Alors, attendez une seconde. Si je regarde en bas à gauche, j'ai faim, hein? Ok, bon, je vais manger un petit peu. Comment je fais ça? Donc, utiliser. Ah, comme ça, ok, oui, je crois que ces trucs-là peuvent expirer, je savais pas les brothers. Oh, regardez-moi le petit bonhomme qui est là, il est en train de faire dodo, c'est tellement cute, mais ce qui est pas cute, c'est que je suis en train de crever de froid, les potos. Alors là, il me faut une torche, je pense, c'est ce que j'ai lu. Donc, torche à portée, voilà, là c'est la production. Ouais, il y a beaucoup de farming, beaucoup de crafting. Mais je sais pas si c'est comme ça le début du jeu ou bien plus tard ça va être plus facile. Mais pour l'instant là, il faut que je survive là, j'ai pas trop le choix. Alors là, la torche. Ah, voilà, maintenant j'aurai pas froid, mais... est-ce que je peux te capturer? Est-ce que je tente le coup? Yo, let's go! Pépito, comment vas-tu? Chance de capture, 0.15%. YOLO! Attends. Je crois que j'ai fait la dernière de ma vie! Attendez une seconde! Est-ce que le survivant qui est là, il va m'aider si le bonhomme il m'attaque? Je crois que j'aurais jamais dit personne. Aide-moi! Multi-froid! Non seulement y a-t-il un doute, mais moi aussi j'ai dead! Oh my god! Attends, jusqu'à. Oh my god, c'était quoi? Oh, je peux ressusciter dans tous ces endroits-là? Mais je crois que je vais revenir dans l'endroit où j'étais parce que j'avais une tonne de trucs là. Yo, come on, moi je vais pas partir de là comme ça. Est-ce qu'il est encore fâché contre moi? Attendez, Tigot. Ça, ça l'a dit Guido, mais. Le dude est parti pour toujours? Oh wow, I'm so sorry, bro. Moi qui croyais que je pouvais gagner à la loterie. Alors, l'homme-ball, 26%. Ouf, ok, attendez une seconde, vous savez quoi? Je crois que je vais le taper un peu. Watch out! Méchant l'homme-ball! Alors là, 86%! Attendez, je sens ma torche. Wow! J'ai mon premier Pokémon. Je veux dire, j'ai mon premier pas, les amis. En plus, j'ai un love. Nice. Alors là, vous savez quoi? Je vais mettre plus de poids parce que là, je crois que j'en ai vraiment besoin. Pour l'instant, les PB et tout, là, moi, je veux pas de ça. Alors, l'handball, comment je le fais sortir? C'est moi qui a fait les L? Je sais que j'ai pris une voix de fille pour le fun, là, mais même à ça. Et puis... t'es encore endommagé, plus haut. T'as besoin d'aller à l'hôpital? Mais j'ai pas de carte d'assurance maladie, mon frère. Et c'est quoi ce bouclier dufteux? Regardez ça, Max! Ok, j'ai compris ce que je peux faire. Donc, annuler. Ok, voilà. Ok, donnez-moi une seconde. Ce mec-là, là... comment j'oblige ce mec-là à attaquer son poteau? Yes. Yeah, je sais pas, là. Pour l'instant, là... je crois que je vais juste taper ce bonhomme comme ça pour le fun. Voilà, et... non! Brother! Est-ce que... aucune sphère pâle? Mais j'en avais une tonne, mais comment ça? Attendez, hold up! Je croyais que j'en avais une tonne, mais... oh, ok, vous savez quoi? Je vais tenter de capturer après. Oh! Non! Ok, voilà, perfecto! 100% de chance de réussir! Let's go! Chiquipi! Aussi frêle que délicieux! C'est l'un des pas les plus faibles avec l'emballe. La population paraîtrait presque illimitée. Wow, ok. Je peux le cuire, c'est ça? Ce l'emballe ne m'appartient pas. Mais si je me rappelle bien, j'ai besoin de laine pour pouvoir obtenir un lit. Alors là, donnez-moi une seconde. Le lit, c'est où encore? Ouais, voyez. Ah, ben en fait, j'ai déjà de la laine. J'en ai 301. Je sais même pas d'où ça sort. Il me faut juste du bois. Ok, alright. Alors là... viande de... what? C'est la viande de mouton! Wow! Ok, je peux vraiment tuer les poteaux pour pouvoir les manger. Vous savez quoi? J'ai déjà un lamballe avec moi. Mais, est-ce qu'on peut faire un petit combat de Pokémon? Allez, bro, attaque-le!
Ok, je crois que je dois l'attaquer comme ça et toi tu vas l'attaquer, c'est ça? Vas-y. Yo, écoutez la musique. Y'a un petit combat de Pokémon qui se passe, bro. Ok, vas-y, détruis-le. Est-ce que tu peux le blob si tu le... Une chance que t'as pas touché le boss. Oh my god. Yo, depuis tout à l'heure, ces deux-là, ils se battent là, mais y'a rien qui se passe. Je vais rester là. Comme ça, tu peux le toucher. Level up. Nice, nice. Yo, qu'est-ce qui se passe avec lui? What the hell? Alors, j'ai pogné de la viande et de la laine. Wow, j'ai bien vu ça. Mais bon, anyway, je vais aller me construire un petit lit. Comme ça, là, quand c'est le soir, ça va devenir le jour, je pense, comme de Minecraft. Je suis passé à 100%. J'espère que oui. Mais c'est le corps de l'autre dude. Et... Ok, d'accord, c'est vraiment dommage, j'ai pas fait exprès. Alors, le corps des bonhommes reste dans le monde, c'est pas comme s'ils disparaissent comme dans les autres jeux. Alors, cela veut dire que chaque NPC est important ou quoi? Je suis pas sûr à 100% là, mais bon. Donc, si nous allons ici... hey, j'aimerais me construire l'arc, hein. Mais, avant tout, je veux me construire le lit. Mais gros problème, comment je me le construis? C'est une structure, mais je peux pas le construire... Ici, je ne vois pas. I don't know, bro. Ok, j'ai compris qu'est-ce qui se passe, les amis. Le lit, on peut le construire n'importe où, n'importe comment, en appuyant sur B. Regardez ça, c'est ici, dans les structures. Désolé, infrastructure. Alors, le truc, c'est que je peux pas le construire n'importe où. La construction doit être lancée en intérieur, c'est une base. What? Impossible de construire ici, car trop proche d'un boss ou d'une installation spéciale. Ah, cette affaire-là pour se téléporter. Ok, ouais, mais je dois avoir une base et un toit. Alors, je peux pas construire ça tout de suite. Faites quand? Je peux construire un coffre en bois, boîte à pales, des trucs par-ci par-là. C'est super nice, mais le lit, je vais construire ça la nuit. Pour l'instant, ce que je veux, un arc rhino. Comme ça, je peux détruire les bonhommes qui s'enfuient de moi. Ha 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 ha! Yo, Galinetta, est-ce que t'es prêt? On y va! Ta-ta-da! Ça, c'est un gros headshot de fou, oui! Yo, est-ce qu'on va l'avoir enfin, les potos? Come on! Galinetta, t'as quasiment rien fait là, mais est-ce que tu vas level up? Bon, je sais pas. Donc, Kativa, son honneur imposante cache en réalité un être pur et faible. Se faire lécher par Kativa constitue donc en quelque sorte l'humiliation suprême. Waouh, ok. Bonus expérience de première capture plus 29. 1 sur 10. Quoi, je peux juste en capturer 10 en tout, si je comprends bien? Je suis pas à 100% là, mais bon. C'est quoi cette affaire là? Yo, je suis juste au début du jeu et puis il y a tellement de trucs intéressants par-ci par-là, man. Ramasser. Statue de Leaf Monk x 1. Récolte des statues de Leaf Monk ça offrir, what the hell, à une statue de puissance pour accroître tes chances de capturer des pales. Ah, d'accord. Bon, pour l'instant, je vois juste des Galinetta par-ci par-là et des petits bonhommes ici. Attends, yo. Non, je vais pas gaspiller mes flèches. Non, oubliez ça. Attendez une seconde, c'est écrit arme cassée, mais pourquoi j'ai encore ma pioche d'activer? Comme ici, what the hell? Je comprends pas. Si je vais ici, inventaire. Ok, mais on dirait que je peux encore l'utiliser. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je fais pas autant de dégâts que d'habitude. Et je sais même pas pourquoi je suis en train de péter ça, mais j'en ai sûrement besoin dans le futur pour construire des trucs ici, non? Attendez, je regarde ça. Non, pour l'instant, j'ai besoin de rien. C'est sûrement des trucs par-ci, par-là que... Bah, en tout cas, il y a tellement de trucs à débloquer, je viens de remarquer ça. Holy what the hell! Ce jeu est totalement insane, mais pour l'instant, j'ai 6 points de compétence. Bouclier normal. Un étrange bouclier issu de la technologie Palladium se régénère automatiquement s'il n'encaisse aucune attaque pendant un certain temps. Je sais même pas qu'est-ce que je veux. Peut-être des vêtements, boîte à nourriture. Pour l'instant, je vais garder mes points de compétence. Fox Sparks! C'est pas Ninetales cette affaire là? Ok, attendez une seconde. Une petite bouboule gratos. Hey, viens pas te déranger, bro, man. Ok, est-ce que t'es prêt, Galinetta? Let's go! Kurama! Oh my god, t'es bien résistant, quoi. Je crois que je vais te level up à un moment donné. Galinetta? 77%, 89, 90, 100%. Let's go! Très peu habile dans sa manipulation du feu à la naissance, le Fox Park s'étouffe constamment avec ses propres flammes. What the hell? Ses éternuements provoquent des feux de forêt. Mamoresse. Et là, oh my god, ces bonhommes-là sont high level. Moi, je suis un gros noob. Je crois pas que c'est le moment d'aller les chercher. Mais, Pingulet! Oh my god, t'es tellement cute, tu ressembles à Piplop. Bon ben, je vais prendre Maltines. Maltino, tu vas rester dans la nature tout seul, tranquillo, relaxo. Ha ha! Let's go, mon petit Galinetta!
Wow! Ok, non, ça c'est totalement insane, man! Attends, Galinetta, mais qu'est-ce que... Ok, si Galinetta s'est fait détruire là, c'est pas mon problème. Oh, mais je peux te rappeler, c'est vrai? Ok, c'est vrai, c'est vrai! Hé, quoi, quoi? Ah! Comment je sors de là? Attends, ma petite bouboule! Je prends des boutons à l'arrière, désolé. Je vais envoyer le Fox Spark! Let's go! Brûle ces bonhommes! Et tire sur l'attaque, bro! Come on! Ah, c'est vrai, ce mec-là, il s'étouffe avec son propre feu! Aïe, 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 aïe! J'ai sorti le mauvais bonhomme, ma bad! Ah, ben yo! Ah, ben ouais, je l'ai vu enflammer le petit pingouin en fin de compte! Là, mon père, attends! Si mon dude il meurt, est-ce que c'est pour toujours? Je sais même pas pour être honnête avec vous! What? Nice! Je crois que ça c'est correct là. J'ai plus de bouboule. Come on, please! Aïe, 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 aïe! Aïe, ça fait mal, bro! Ok, mon Fox Park. Attends, c'est écrit quoi? Je sais qu'il est dead. Fox Park ne peut plus se battre. Faut juste que je le guérisse. C'est un guidou. Maintenant, pour l'instant, je suis en train de m'en faire du combat et puis j'ai remarqué qu'il y a un coffre ici. Oh boy! Alors, pièce d'or, flèche et clé en bronze. Je sais pas ce que je peux faire avec cette pierre en bronze là, mais bon. Je me suis enfui pendant 10 ans et ce mec là, il veut vraiment ma peau. Allez, Martinez, attaque ton frérot. Aïe. Vous savez quoi, mec? Je suis vraiment désolé. C'est pas du tout ce que je veux faire, mais tu m'obliges à le faire, bro. Magnifico. Oh, regardez-moi ce loot. Fluide de panne, organe de congélation x2. Je m'excuse, je voulais vraiment pas le faire là, mais bon. Alors regardez-moi les pales que j'ai dans mon équipe juste là. Je suis fier de moi. Mais ce mec-là, là, pour vrai, comment je vais faire en sorte que... qu'il guérisse, I don't know. Alors là, je vais utiliser les baies. Oh, je peux le donner à lui, pour vrai. Oh, pour vrai? Ah, mais moi aussi, j'ai faim. Lui, il a pas faim, mais je crois pas que ça va le guérir. Il me faut un medkit ou quelque chose comme ça, non? Les fluides récoltés sur des pales aussi visqueux qu'utiles. Ok, ça me dit pas trop ce que je peux faire avec. Bon, ben, mon petit bonhomme, mon petit Kurama, il est dead. À un moment donné, je pourrais le... Attends, relâcher le pal! Oh! Fox Park va être relâché. Oh, que non, 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 il reste dans mon inventaire. C'est qui l'a détruit? Mais André, Eevee! Évolue! Oh, il est tellement cute, le doute! Ah, mais il y en a d'autres ici. Est-ce que je peux l'avoir? Attends, non, il est dead lui aussi! Ouais, regardez ça, je peux jouer avec son corps! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est sûrement le gros mammouth, le mamores qui l'a détruit là, mais bon. Alors, je vais me diriger vers l'objectif qui se retrouve là-bas. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. On y va. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Méga sphère! Ok, je crois pas que j'ai besoin d'utiliser qu'on le doute qui est là, hein? Un petit goumos. Ok, yo mon frère, attaque-le! Comment je peux l'obliger à l'attaquer? Est-ce qu'il y a un bouton que je peux appuyer? Ben, une touche plutôt. Là, non! Oh, je vais le capturer avant qu'il fasse un choix, le petit... J'ai plus de bouboule! Oh non! Non, je vais pas utiliser ma méga sphère. Ah! Ce sera pour une prochaine fois, je pense, hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais ouvrir ceci. Et j'ai pogné une tonne de trucs intéressants. Oh, il y a des petites bouboules ici, man. Ah, ben non, c'est pas des petites bouboules. Éclat de pas le diable. Ok. Peut-être que je devrais me construire un truc là, comme ici, un éclat de fortune, établi de fortune et pas de réparation, parce que là, je suis quand même loin de l'endroit où j'étais tout à l'heure. Mais bon, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Donnez-moi une seconde. Est-ce que c'est pour me téléporter? Ok, débloquer le voyage rapide. Oh! Ok, là, après, je peux... Oh, je l'ai pas débloqué, cette... Vous n'êtes... Je savais pas qu'il fallait interagir avec ça. Je croyais que c'était débloqué depuis le début. Oh mon dieu, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Ah bah bah bah. Mais bon, en tout cas, je vais capturer ce bonhomme. Et là, le truc, c'est que j'ai 5 pales avec moi. Il devrait se retrouver dans une boîte à pales. Je pense, je suis passé à 100%, mais je veux voir ça tout de suite. Comme ça. Voilà. Y'a un petit crazy boy, man. Come on. Magnifique Goumos, un pal mystérieux au corps composé de sève, ôtez-lui son couvre-chef et il se desséchera progressivement jusqu'à pourrir. Yo, pauvre, c'est Pokémon, désolé, pauvre, c'est pâle dans ce monde-là et...
Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux là, mais bon. Donc, ils se retrouvent pas ici. Il faut que je me confectionne la boîte à pales qui se retrouve ici. Comme ça, je peux le récupérer, mais il me faut plus de bois par-ci par-là. Ok, je compris. Mais bon, vous savez quoi? Allez ici activer ceci. Let's go. Nous avons comme un gros problème, les amis. Regardez où je suis coincé, man. Je suis tombé quelque part sans faire exprès. Et là, je suis juste à côté de mon objectif. Bah, ça va mal. Hey, attends, j'ai comme vu que j'ai grimpé quelque chose. Il y a sûrement un moyen de sortir de là. Oh, oh, je l'ai fait. Ok, attendez. Hold up, hold up. Je vais récupérer un peu plus d'énergie. Non, je suis comme coincé. Oh, je suis dans la roche. Ok, I'm so dead, man. Qu'est-ce que je fais? Il y a sûrement un moyen de sortir de là. J'étais à côté de mon objectif. Je sais qu'il y a un moyen de mourir pour réapparaître. Mais je voulais pas utiliser ça. J'avais peur de perdre tous mes items. Oh, j'avais mal au cœur. Allez, ouais, les potos, on est enfin arrivé à destination. Et maintenant, on peut activer ceci. J'arrive pas à croire que j'ai pas fait ça, mais oh, je suis trop débile. Alors là, je peux me téléporter de là. C'est ça, jusque là. Mais comment on fait ça? J'ai aucune idée. Il y a sûrement un bouton à appuyer. Alors, le truc, c'est que je pourrais me confectionner un lit ici, hein? Ouais, parce que là, je crois que c'est la bonne chose à faire. Mais gros problème, il me faut des constructions par-ci, par-là. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais faire ça la prochaine fois. On va prendre une petite pause. Et on continue ça demain, les potos? Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous sommes juste au début du jeu. Mais je suis en train de me marrer comme un fou. Ce jeu est tellement le fun. Et en plus, j'ai même pas de gun, hein? Oh! C'est totalement crazy. En tout cas, ouais, on va sûrement continuer ça demain parce que j'adore ce jeu. J'espère que vous l'adorez aussi. Et oui, ouais, c'est ok ça. Et ne me spoilez rien dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai envie de découvrir le jeu par moi-même. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suivre sur les réseaux sociaux. Blabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.